Depuis sa jeunesse, Leonardo adore observer et étudier la nature. Au marché, s'il voit des oiseaux en cage, il les achète, les libère et, avec beaucoup d'intérêt, les regarde s'envoler. Bien plus tard, très connu en tant que peintre et savant, Leonardo da Vinci continue à rêver de s'élever dans le ciel. Une légende grecque racontait qu'Icare avait réussi à voler grâce aux ailes collées à ses épaules avec de la cire. Mais Icare, dans l'ivresse du vol, s'éleva de plus en plus vers le soleil qui fit fondre la cire. Les ailes se détachèrent et Icare tomba. Conscient du danger, Leonardo da Vinci considérait important de construire un engin pouvant éviter de s'écraser brutalement sur le sol en cas de chute. Vers 1500, il imagine un parachute en forme de pyramide à base carrée. Un tissu imperméable à l'air serait tendu sur cette structure et l'air emprisonné sous la toile pourrait freiner la chute. Mais Da Vinci était bien en avance sur son temps. Il fallut attendre presque 3 siècles pour pouvoir monter dans le ciel à l'aide de la montgolfière. Puis, en 1797, pour la première fois, un homme se jette en parachute d'une altitude d'environ 700 mètres pour atterrir sain et sauf.